Eh bien, salut tout le monde, c'est Tapeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Dofus en compagnie de Zaphir, la petite héliotropette de niveau 33. Et aujourd'hui, on continue notre aventure avec la quête La Jeunesse d'un Royaume, où nous devons donc nous rendre, faire une petite visite tout simplement à la bibliothèque d'Amagna. Donc, on va tout de suite y aller. Hein, on a découvert pas mal de choses sur un petit peu l'histoire, enfin, déjà avec les livres, hein, n'est-ce pas? Mais là également avec avec les morts, le néant, tout ça, bon, c'était pas vraiment très important, mais c'était sympa. C'était sympa. Bon, par contre, je suis désolé, j'ai juste pu faire une petite ellipse. Je reviens tout de suite, ne vous en faites pas. Je reste ici, hein, je ne bouge pas dans le jeu. A tout de suite. Et donc, re tout le monde, on se retrouve donc... Après cette courte ellipse, hein, je m'en excuse encore. Donc oui, donc on continue pour faire donc cette quête La Genèse d'un Royaume. Donc pour aller tout d'abord visiter la bibliothèque d'Amagna. C'est ça aussi l'aventure. Hein. Ah oui, je voulais vous dire également, en me connectant, on n'arrive pas à voir, bon super. En gros, j'ai vendu 21 lots d'objets pour une somme totale de 3660 kama, je crois, ou 68 même. Truc comme ça, donc voilà pour vous informer. Et également que je me suis pour vous informer que je me suis abonné par SMS, donc j'ai reçu 100 ogreens. Cependant, ne gueulez pas, je ne les utilise pas, les ogreens, évidemment, parce que sinon je vais enfin je les non je les utilise pas du tout, parce que sinon je vais évidemment je vais obtenir des camas ou des items, et vous pouvez voir que j'ai obtenu 100 ogreens gratuitement. Et donc c'est pas ici. Où est la bourse? Je suis désolé, hein, comme je vous l'ai dit, là, j'ai repris il y a peu de temps, vous en êtes pas aperçu, mais j'ai fait une longue pause. Du coup, je sais pas où. Elle est pas... non. Elle est pas là. Ça se trouve, vous la voyez, vous êtes en train de gueuler derrière. Ou pas, bah, putain, je crois elle est là. La boutique, j'avais oublié que ça s'appelait comme ça. Donc vite, on va rapidement faire une petite pause pour vous prouver que j'ai 100 ogreens, hein, et que je ne vais pas les utiliser. Donc c'est où? C'est dans la boutique, ça. Non, la boutique, tout à fait. Pardon, la boutique certainement. Donc 100 ogreens, voilà. Et donc merde, putain, fait que je reste là. Bon, sur moi j'ai putain, mais merde. On retourne là, je sais pas si on peut voir les camas qu'on a. J'espère. Combien j'ai de camas? Parce que après je pourrais aller voir à la banque évidemment, mais. Voilà, donc j'ai 47 000 camas. Hein. 30 000 sur moi et environ 17 000 à la banque. Donc voilà, c'est pour vous prouver que je n'utilise pas évidemment les ogreens. Sinon ça serait pas du tout de la triche, mais dans. Pour ce qu'on veut faire, un peu quoi. Enfin, pour le projet de la série. Également, je vous informe que mon cher. J'ai réussi à convaincre mon cher collègue Hugo Frey de jouer à ce jeu, à Dofus. Du coup, il pourra peut-être l'aider. Enfin, il pourra surtout nous aider parfois. Voilà, des trucs à faire en groupe ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Il sera pas là tous les épisodes, mais assez souvent quand même. Donc, bon. Évidemment, hein, l'avant, il sera pas, enfin, concerné par l'aventure. Enfin, je veux dire, notre personnage ne déviera pas de sa voie, quoi. On continuera nos quêtes. C'est simplement que, bah, avec un autre personnage, j'irai peut-être l'aider, le muet, lui, pour que, parce que, voilà, pour qu'il nous rattrape, pour l'aider, parce que tout simplement, il peut pas jouer longtemps. Du coup, bah, si jamais un jour on a quelque chose à faire à deux ou à plusieurs dans bah, cette aventure avec Zaphir, donc avec ce personnage là, bah comme ça il sera là pour nous aider quoi, en quelque sorte. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais donc ça n'a rien de anti-jeu ou de ce que vous voulez, c'est normal quoi. Enfin, hop, on va tout de suite passer récupérer nos kamas. On a toujours aucun objet en banque, c'est super. Ah bah, on a que 10 000. Pourquoi j'ai 7 000? Bah écoutez, les 7000 kamas doivent être sur un autre personnage. Hein. Ah, c'est vrai que j'ai gagné une rune de la part de notre cher ami. Putain, il y a des bolts ici maintenant.
Bon, ça, il n'y en a pas beaucoup, c'est cool. Grâce au système anti-bot, je crois qu'ils ont mis. Je crois que Ankama ont mis un système anti-bot, donc c'est bien. Après, comme je vous l'ai dit, ça fait très longtemps que je ne me suis pas connecté. De plus, là, je suis pas du tout dans les zones au level. Hein. Je me connecte. J'ai même pas reconnecté le. Il tape là, donc mon Losamodas, hein, si vous voulez savoir, si vous ne saviez pas. Bon, Losamodas niveau 142, je ne l'ai même pas reconnecté depuis que je me suis remis à jouer. J'ai connecté simplement ce personnage-là. Alors qu'on a le portail du temple. Donc voilà, on en aura peut-être besoin par la suite, je ne sais pas. Hop, la bibliothèque. C'est ici qu'on doit aller. À partir de là, je vais moins connaître puisque je les ai fait ces quêtes-là, mais simplement une seule fois. C'était il y a 3-4 mois, quoi. Bah, avec mon Losamodas justement. Donc c'est pour ça que je vais moins connaître ce qu'il faut faire. Donc, en tout cas, apparemment, il faut aller voir Aristote. Bon, là, il y a un comptoir, donc on va se mettre derrière le comptoir. Évidemment. C'est un peu le bordel, je crois, pour parler, mais bon. Je sais pas. Alors. Chute, silence, c'est la bibliothèque ici. Si vous avez besoin d'un livre, venez me demander. Mais pas un mot. Chut. Pas un mot, j'ai dit. Allez vous asseoir en silence à présent. Et je ne veux plus entendre même un chuchotement. Chuchoter. Chut. Ah, je murmure alors. Pardon. Que me voulez-vous? Le saluer de la part d'Arpa. D'Arpania Grobis. Oh, c'est ce. Comment va ce vieux bonnet? S'il vous envoie, c'est que vous êtes un amateur de contes populaires et de légendes dans tout genre. Notre bibliothèque est spécialisée dans ce domaine. Je peux vous vendre des copies de certains de nos ouvrages qui sont d'excellente qualité. J'aimerais bien me renseigner sur l'histoire de la province d'Amatna. Le sujet est vaste. Amatna a connu bien des événements au fil du temps. Notre roi est le grand Alistair. Il règne sur le pays depuis plus d'un siècle. Alistair a vaincu le démon Uknotalag qui ravageait le pays à la recherche des Dofus. Vous avez peut-être déjà rencontré Falanster, le frère du roi. Il dirige le conseil de la cité d'Azastrub. Honnêtement, je peux pas dire, je me rappelle plus, je pense pas. Mais il aimerait bien savoir plus sur le fameux Uknotalag. Le spécialiste de la question est sans conteste l'archiviste du château. Il gère les documents de la bibliothèque royale. Georges de Segrob n'est guère disponible. Mais puisque vous semblez passionné par le sujet, je vais vous écrire une lettre de recommandation. Tenez. Merci pour la lettre. Je m'en vais. Donc, il nous a dit qu'il fallait aller au château, je suppose. Hein, mais on va vérifier quand même tout de suite. On sait jamais, voilà. Donc, nous devons aller au château. Hop, going to the château, n'est-ce pas? Aquarium dans les maisons, je savais même plus qu'il y en avait. Je sais pas si je pense pas que ça soit nouveau de cette mise à jour, mais. Non, je crois pas que ce soit nouveau, mais je savais même pas qu'il y en avait, c'est vous dire. Je savais même pas qu'il y avait des aquariums dans les maisons. C'est l'autre pour la pêche, évidemment. Alors là, on va tout simplement, par contre, juste aller mémoriser les apps. Car voilà. Allô. Donc on a des mémorisés les apps, donc maintenant on va se rendre au château d'Alistair, donc pour aller découvrir la fameuse bibliothèque d'Alistair. Pour l'instant c'est clair que c'est pas vraiment l'aventure, mais c'est pour l'instant on s'intéresse aux contes et aux légendes de ce merveilleux monde, hein, donc s'il vous plaît calmez-vous. Après évidemment ça sera peut-être plus intéressant pour ceux qui veulent de l'action, mais pour l'instant il y en a pas, c'est comme ça. Mais C'est une part intéressante quand même de connaître l'histoire du monde. Hein. Là donc, on va se renseigner donc sur l'histoire d'Amatna. Enfin, sur Uknokalag d'ailleurs, le démon. Qui a ravagé le pays à la recherche des Dofus.
Allez hop. Ah, c'est sûr, y a pas mal de route quand même, mais bon. Nous on s'en fout, on a le temps, on est là pour se poser. Hein. Comme je vous l'ai dit, vraiment ne pas du tout rusher cette aventure, mais elle va tellement être... pas être rushée, je vais mettre quoi elle va mettre vraiment beaucoup beaucoup de temps à 200, mais... Mais après tout, voilà quoi, c'est... Le but c'est l'aventure et puis c'est tout. Puis comme ça vous verrez quand ça sera vraiment des aventures un peu plus épiques. Vous n'en serez que plus content et moi donc. La musique épique de la montagne des crackers. Il fait un peu bizarre par rapport à la région, mais bon. Voilà quoi, c'est. Voilà, c'est comme ça. Où est la fucking porte d'entrée? Putain, je suis passé devant, mais. Comme un con, j'aurais dû vous dire. Je me disais, putain, on va loin là quand même. Ah là là, enfin bon. Tac tac tac. Paniquez pas, on va y arriver. C'est ça aussi, de se perdre, ça fait découvrir le pays. Pas vraiment, mais. Et donc c'est ici, je suppose. Non, merde. Putain, mais. Mais putain, je suis vraiment con, c'était juste en haut. Oh, je vous jure, le noob. Quand je vous dis que ça fait longtemps. Ben non, c'est pas là. Madame Mordel. Bon, c'est quoi? On continue, hein, c'est sûr que c'est plus en haut. Mais bon. Ah bah c'est comme ça, c'était fail. Hein. Mais bon. Après tout, Zafir est une aventurière très peu expérimentée dans ce... Bah voilà, ok, c'est juste ici. En fait, c'était une map au-dessus de tout à l'heure. Super, bravo. Bravo, bravo. Donc, direction la bibliothèque. Le château de Macnab. Ah, au club, on est chouette. Je vais également, pour cette aventure, essayer de convaincre Alexus du 44 de venir jouer avec nous, mais là, c'est quasiment sûr qu'il va refuser. Hein. Déjà, quand je vous ai dit Gaufret allait accepter, enfin, à accepter, c'était fou. Voilà. Alors, Et je suis bien perdu là même, c'est. Je suis monté haut, mais. Je sais pas trop ce que j'ai glandé. Enfin bref, voilà, le château. On n'oubliera pas d'aller. Comment. Mémoriser le zap, ouais, c'est ça. C'est bien parce que ce château est très gardé, on rentre dedans mais comme on veut. Il y a des gardes devant nous. Mais... Ici un noble. Il y a Amy Mansgreen. On regarde pas trop ce qu'ils ont à nous dire, hein, nous. On fonce. On leur parlera bien assez tôt, je pense. Ici il y a l'intendant, ça me mâche un truc. George Segrove. La bibliothèque royale n'est pas ouverte au public. Si vous voulez consulter ou emprunter des ouvrages, rendez-vous plutôt à la bibliothèque d'Amaclin. Ouais, mais t'inquiète pas, j'ai une lettre, t'inquiète pas, un historien en herbe. C'est assez rare de nos jours. Tout va tellement vite. Nombre d'aventuriers ne pensent plus qu'à écumer les donjons à toute allure. Sur le dos de leur dragonnage, ils préfèrent manier l'épée plutôt que la plume. C'est des... C'est comme ça, c'est... Je suis plutôt du genre à prendre mon temps, moi. Oh putain, mais c'est... C'est totalement ça. Vous voulez le récit de l'invasion du Knokalag? L'œuvre la plus complète sur le sujet a été écrite par Fekalim Nassage, manuscrit original. Le point. Putain. Point. Le manuscrit original est conservé ici, mais son état est détérioré. C'est détérioré. Si vous êtes un amoureux des livres, peut-être pourriez-vous m'aider à le restaurer. Je vous ferai une copie pour vous rincer. Ah bah carrément. La reliure est la partie la plus abîmée. Elle a été fabriquée à partir d'un cuir de chef de guerre Bouftou, en hommage
au rôle qu'ont joué les bouffetous dans la victoire d'Alistair. Ouais, d'accord. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel cuir. Il doit être le plus souple possible, en général prélevé sur le ventre d'un animal. Pouvez-vous aller charger... Pourriez-vous vous charger de trouver ce cuir? Vous devrez sans doute abattre un de ces... Putain, j'en ai marre. Vous devrez sans doute abattre un certain nombre de bêtes avant d'obtenir les peaux nécessaires. Apportez-les ensuite à Boris, le cordonnier du village d'Amatna, en précisant que vous travaillez pour moi. Très bien. Alors qu'on voit ici un collègue, je pense qu'il fait des quêtes également. C'est bien, c'est un vrai. 15 minutes, bon écoutez, bah on va se rendre auprès d'un bouffe. Et à mon avis, le prochain épisode sera... Finalement, on n'aura pas fait grand-chose, on aura même pas fait la Genèse en Royaume. Est-ce que on prolonge un peu l'épisode histoire de finir la quête de la Genèse en Royaume? Je suis d'avis pour qu'on fasse ça, hein, parce qu'après... J'aime bien prendre mon temps, mais quand même, il y a un point là, même pas faire une quête dans un épisode. Surtout que je vous laisse quand même le faire. Allez, bon. Si jamais ça vous fait plaisir, on prolonge l'épisode. Jusqu'à au moins obtenir le cuir. Je dis pas finir la quête, hein, ça se trouve ça sera plus long, mais... Au moins obtenir le cuir. Donc... D'ailleurs, on va utiliser même ce zap. On va se rendre au village d'Amatna, donc... Par contre, les bouffetous, où est-ce qu'ils se trouvent Je me suis fait. Bon, c'est pas grave, on va remonter de toute façon. On a le temps. Je me suis fait parce qu'ils étaient à côté de. Peut-être même plus à. Mais en fait, ils étaient presque à distance égale entre Astrub, le château et Amatna au niveau des apps. Du coup, ouais. Bon, peut-être plus court Astrub, encore je sais pas, parce que le zap est. Et au milieu de la ville, donc franchement c'est un peu vicieux, mais bon. Oui, il fera aller une bonne demi-heure cet épisode quand même. Surtout que bon, on a pas mal de prospection, enfin on en a pas mal, voilà. Un peu plus. Salut assistant, je repasserai. Alors, mon aventurier Team de Snow se doit de régler les affaires de chaque passant. Mais d'abord on est sur une enquête, là, donc s'il vous plaît calmez-vous. Allez, on monte. Montagne des craqueleurs. Bon bah il court vite là. Il court à moins vite tout à l'heure j'ai l'impression. Je suis peut-être complètement taré. Hein. Oui à mon avis je suis complètement taré. Alors, le quoi des bouffetous de merde. Voilà, l'élevage de bouffetous. Le bouffetous, pardon. C'est ici, donc maintenant il faut trouver un chef de guerre. Tout à l'heure, il y en avait plein. Non, désolé, cher ami. Je refuse pour une fois ton invitation. Je l'aurais accepté dans des conditions normales, mais. Cependant, là, je. Voilà, j'ai pas envie de perdre trop de temps. Cet épisode va déjà assez s'éterniser, donc on se dépêche. Voilà, qui est agoraphobe. Mais putain, mais y a pas de chef de guerre. Hein. Si. C'est vraiment agaçant. Hein. Oh voilà. Allez. Roule. Tac. Évidemment, on fait les chal. Hein. Non, désolé. Est-ce que... Chal... Je suis désolé, hein. On écrit, mais parce que... Surtout pas. Tac. D'ailleurs, ma... Putain, je suis un peu con, faudrait peut-être que je remette mon stuff, moi, quand même. Tac, mets ton beau chapeau. Blitzkrieg, ok, donc. Chal. Très bien. Du coup, par rapport à la dernière fois, on n'a pas appris à jouer, mais c'est pas grave. 250. Qu'est-ce qu'on peut bien faire?
Honnêtement, je sais toujours pas jouer par rapport à la dernière fois. Ne vous inquiétez pas. Puis voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Putain, j'espère que si elle le foire, oui. Oh là là. De l'autre côté, ça va faire un très bien. Voilà quoi. On va continuer de placer des petits portails. On va placer simplement un. Tout ce petit monde. C'est parce que le premier. Non, faut en placer un autre aussi. Ouais, on va placer un autre. Par exemple, ici, on va essayer de faire ça comme ça. Tac. Bon, faire un étirement, ça sert à rien. Mais pas comme... Ah, mais merde, mais putain, mais voilà, mais pourquoi il. Oh, là, ça me saoule ça. Il va venir juste devant moi, ce bâtard. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, pourquoi il peut pas booster sur ce truc? Ouais, qui vient devant moi. Putain, ça me saoule ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, est-ce qu'elle est. Ça, oh, je sais pas quoi faire là. Bon, déjà, on va tuer lui. Tac. Elle peut pas se booster un truc, elle est. Je sais pas quelle est dans elle. Ouais. Voilà, on perd du temps, on perd du temps. Alors, t'es quel élément? Pour l'interrogation, s'il te plaît. D'accord, chale foiré. Bon bah. Bon, c'est très bien que ça aurait été très compliqué, mais voilà quoi, quand même. Alors, lui, c'est doit être le dernier que j'ai posé, donc on va le caler. On va lui caler ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais voilà, je me suis encore craqué de sort. Et non, mais aussi, si je me fail, je sais pas. Neutral. Mais putain, mais. Oh, j'en ai là, putain, c'est. Oh, putain, mais à chaque fois, je me cours de sort et tout. Oh là là, ça me casse les couilles. Bon. Putain, mais comment on peut se courir de sort? Il y en a un qui est bleu, il y en a un qui est jaune, mais non, c'est trop compliqué. Ça. Ils ont des couleurs et tout pour les enfants, mais moi, je me trompe quand même. Oh là là, quel. Les couilles, on va le roxer après tout. Alors là, en plus, à chaque fois, il y a le bug d'affichage. Bon, super, le super bug d'affichage. C'est pas grave. Ouais, on va ça va pouvoir le buter. Toc. Allez, je parie qu'on va pas le dropper. Oh, on l'a droppé. Impeccable. On va lui mettre un petit GG quand même. Bon. Même si à la fois elle chale, mais on n'est pas des batteurs. On est même très très gentil et très aimable. Tac, du coup on va s'en aller porter. Hop, à toi. Non. Laissez-le. Non, mais moi je le prends pas. Putain, mais. Oui, si elle est pas. Si elle entend pas que je réponde, je suis désolé, hein, mais. Là, je peux pas faire autrement. De toute façon, je devrais gérer, hein. C'est pas non plus. Voilà, quoi. Bon, alors. Apportons ça à Boris, je suppose. D'après ce qu'il nous a donné comme instruction, oui, voilà. Oh non, merde, il en faut 3. Oh non. Merde, j'aurais dû prendre la quête. Oh putain, je suis vraiment con. Surtout si vous qui regardez connaissez la quête, franchement,
Vous allez dire non, prends l'autre, putain. Non, bah c'est ça de pas. Oh putain, en plus je suis con, il l'avait dit, j'ai pas l'excuse, il l'a pas dit parce que. Il l'a dit qu'il en fallait plusieurs, tout ça, bon. C'est pas grave, écoutez. Putain, 25 minutes, oh là là. Bon, je vous préviens, de toute façon, j'arrête à 30 minutes, hein, parce qu'après, on peut pas s'éterniser. C'est un peu long à upload. Bah, on finira notre prochain épisode, hein, qu'est-ce que vous voulez? Mais... Ça va le faire, ça va le faire. Voilà, un gros groupe, mais après tout, on s'en bat les couilles. Est-ce qu'on a toujours les trucs du débutant là? Non, on n'a plus rien. Hop, place de l'arbre, on va le garder. Je m'assois vite fait, désolé, on perd du temps. D'ailleurs, je vais faire une très très courte ellipse, le temps que je m'assois, hein, désolé. Donc, re tout le monde, désolé pour cette courte ellipse, hein, simplement le temps de récupérer ma vie. Parce que 10 secondes, c'est pas important quand même. Tac tac tac. Hop là. Bon, aujourd'hui, on va pas faire le coin avec les portails, mais tout d'abord, on va buter ceci. Ouais. Est-ce qu'on les pose quand même les portails? Allez, pour le fun, on en pose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faut que je me dépêche. Là. Il y a un autre là-bas et putain forcément j'ai pas mis, non mais c'est quoi, c'est n'importe quoi, enfin bref, super. Le tchel foiré, oh là mais j'en ai, putain j'en ai marre, oh putain un pio, ça me casse les pio, si vous saviez. Tactique, je suis vraiment désolé, mais du coup on va couper celui-ci. Ah putain les, encore encore, putain ça me saoule, oh là là, c'est vraiment du temps pour jouer là, ça me saoule. C'est cool, voilà. Le temps après, c'est le temps que... Oh, mais on sent que moi, surtout, je vous dirai rien, bande d'enculé. Allez, tac. Oh, putain, si je crève, mais c'est n'importe quoi. Oh, mais... Le piquant est un peu si fort, là. Allez, c'est super. Putain, ça me casse les couilles, bon. On va se quitter là-dessus, hein, ça me casse vraiment trop les burnes, ça, cette merde là. Crever pour des bouffes à la con, enfin bon. C'est pas grave, hein, c'est ça aussi l'aventure. Enfin, ouais. Bon, du coup, on se quitte là-dessus, on se retrouve au prochain épisode pour tenter de. Putain, un malheureux bouffe toute merde. Ouais. Allez. Bye tout le monde, c'est plus de peur et puis voilà. Allez, salut tout le monde, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager surtout. Ça nous ferait super plaisir. Salut, salut! Unicorn Zombie Apocalypse.